J'ai choisi l'UEM Normandie car c'est une des écoles les plus reconnues en France sur l'alternance. J'ai intégré l'UEM Normandie via le concours Passerelle et actuellement je suis en alternance chez Decathlon Logistique. Je suis arrivée en M1 en alternance directement dans le groupe Orano, donc ex-Areva, en tant que chef de projet logistique. Je suis arrivée à l'UEM Normandie en U3 via le concours Passerelle 1 et je suis actuellement en M2 alternance au sein de la coopérative d'Isigny Sainte-Mère où j'occupe le poste de commercial sur la Normandie. J'ai choisi l'UEM Normandie car c'est une des écoles les plus reconnues en France sur l'alternance. Elle était en lien avec mon projet professionnel qui était de devenir commercial pendant 2 ans en alternance dans une entreprise agroalimentaire. Je choisis l'UEM Normandie par la bonne réputation que j'ai pu entendre de mes amis et aussi parce que le programme proposé était en alternance sur les 2 années. J'ai intégré l'UEM Normandie parce que c'est une école référente au niveau de l'apprentissage et de la professionnalisation. Je souhaitais également faire un cursus en alternance pour pouvoir me professionnaliser. À la fin de mon année de U3 au sein de l'UEM Normandie, j'ai réalisé un stage de fin d'études qui s'est passé dans la même boîte où je travaille actuellement en alternance. J'ai trouvé ce stage et cette alternance grâce à un job meet-up. C'est une rencontre organisée par l'UEM Normandie au sein de l'école où on se retrouve avec des entreprises qui recherchent des étudiants pour travailler chez eux. J'ai effectué mon année de U3. Ensuite, j'ai obtenu un stage via les job meet-up grâce à l'école. Et actuellement, je suis à Decathlon Logistique et je gère une équipe de 20 à 25 personnes dans l'entrepôt. Depuis la première année, j'ai beaucoup évolué avec de plus en plus de responsabilités et d'autonomie. Et à l'issue de mon alternance, je vais être embauchée.